Quasimodo. Et la femme Quasimodo. Ah, alors, il faut savoir qu'en dans le règlement officiel, on ne doit pas partir tant que la barrière est ouverte. C'était un piège pour voir si... Donc, c'est, on voit qu'elle est expérimentée. Et là, on va avoir... Voilà, les filles, si vous voulez fermer la barrière. Là, tu vas fermer la théo, oui, ça va. Alors ça je le dis pour nos cavaliers, dans le règlement, il y a aussi un point de règlement, c'est qu'on ne part que quand on a été autorisé à partir. Et pour autoriser à partir Quasimodo, c'est normal, il nous faut une... Sonnette. Une cloche pour ceux qui connaissent Notre-Dame de Paris. Hein? Bon, bah, je vois qu'on a... On n'a pas un public cultivé aujourd'hui, c'est pas grave, on va essayer de se mettre au niveau. Allez, quasi. Allez. C'est parti. Non, ça va. Elle est là, Léa. On est là sur le... Allez, on va essayer de prendre le petit galop, Marie. Et moi, après, je prends le poney. Et là, tu vois, il m'arrête. Allez, Margot. Vas-y, tu peux. Ouais, t'es passé, Margot. Allez, numéro 2, attention. Attention, tourne, Margot. Allez. Ça, c'est du chrono. Le numéro 4. Allez Margot. Ouais. Quasimodo il est à fond là. Voilà, donc là le but du jeu c'est de passer entre tous les cônes sans faire tomber une seule. Écoutez tout ce que la nuit t'a dit. Allez Margot. Et voilà, il y a un panneau là qui déclenche le chronomètre. Bravo.